Salut à tous, c'est Otaku Manga, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, je suis vraiment un peu fatigué de cette grosse journée que j'ai eue. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo achat de la semaine ou ni mes lectures manga. On se retrouve pour une vidéo information importante parce que j'ai deux projets qui me tiennent vraiment à cœur et j'avais envie de vous les dire dans cette vidéo. Donc le premier projet que j'ai essayé de faire des présentations de personnages. Donc ça peut être dans la Demo, la Sword, Nanny Sins. N'importe. Donc je verrai, je pense que la première prestation de personnage, ça sera un personnage en Dragon Ball. Un personnage bien sûr qui est pas connu. Donc je vais faire comme Goku par exemple, je pourrais faire Guillaume, le père de Chichi, ou Docteur Bref, le père de Bulma. Donc voilà, des trucs comme ça, des personnages qui sont un peu mis de côté dans Dragon Ball. Ou même Lunch qui a complètement disparu de Dragon Ball. Et le deuxième gros projet que j'ai, c'est des présentations de chaîne YouTube. Donc je présenterai des chaînes YouTube mais pas des chaînes gaming que du manga ou je veux pas de podcast, ni de gaming ni quoi que ce soit. Je veux que ça reste dans le thème du manga. Donc bien sûr ça peut être des AMV, des présentations de manga, des lectures manga, des achats manga, voilà, des trucs comme ça. Donc ça pourrait aider certains youtubeurs à avancer leur chaîne YouTube et j'espère que ça m'aidera à avancer. J'espère qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont dans la... qui vont être intéressés par ce projet et ça pourra m'attirer de nouvelles personnes sur ma chaîne et dans les deux cas vous serez avantagés. Donc comment ça va fonctionner ces vidéos présentation de chaîne YouTube manga? Donc déjà je vais donner mon avis, je vais donner la date de la création de la chaîne YouTube, le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, plein de petites choses comme ça et tout. Voilà, donc je pense que ça peut être sympa, mais pour participer déjà il faut être abonné à la chaîne obligatoire. Et il faut laisser un commentaire, je participe à ce nouveau projet. Vous m'écrivez juste, je participe. Comme ça, je serai, et après je ferai le tirage au sort devant vos yeux. Donc ça va être cool déjà. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces deux petits projets. Donc j'espère qu'il vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît. Sur ce, les amis, je vous laisse. Salut, là.